Bonjour à tous, je me présente, Adjaye Sarani, champion de France, des moins de 91 kg, numéro 1 français. Suivez-moi, je vais vous présenter mon club et la structure du Krebs. Et maintenant, plus qu'à prendre le sommet sur le plan international, avec, on espère bien, une qualif aux Jeux Olympiques de Tokyo et l'or. C'est une vieille histoire, hein. C'est une vieille histoire d'amour. Évidemment, j'étais jeune et je faisais un certain nombre de sports de compétition. J'en ai fait mon métier puisque je suis devenu professeur d'éducation physique. Et puis maintenant, depuis 12 ans, je fais en sorte que la boucle soit bouclée parce que maintenant, je suis du côté de la barrière, celle où on peut prendre des décisions, celle où on peut prendre des initiatives dans le sport pour permettre à tout le monde d'en faire. Parce que je crois aussi que le sport doit être accessible à tous, donc que ce soit les femmes, les hommes, les personnes handicapées, voilà, tout le monde. Le sport a une vraie responsabilité. En tout cas, dans le domaine de la boxe, à Saint-Max, on est fiers d'avoir l'OM, évidemment, qui n'a rien à voir avec le football, mais l'Olympique Maxois, qui il y a un certain nombre de jeunes. Et moi, quand Dominique Nadeau, directeur de presse, m'en avait parlé, j'ai marché à 200%. Derrière, il y a tout un apprentissage de la vie, de la citoyenneté qui se fait au travers de la boxe, et en particulier de la boxe. Donc, pour l'avoir fait modestement un petit peu à la faculté, je connais la rigueur et la difficulté. On est un club de boxe avec plein de jeunes et je félicite d'ailleurs l'encadrement parce que derrière ceux qui font du sport, derrière tout, il y a aussi derrière des bénévoles qui se plient pour faire en sorte qu'on fasse. Le 29 juin, on aura France-Irlande avec des espoirs qui correspondent aux créneaux qui seront opérationnels en 2024. Donc Paris 2024 qui va. On verra sur le ring de Saint-Max. Et l'année prochaine, on verra Sophie Matisse qui viendra, donner des cours d'aérobox au sein du club. Et Joa et toi, qui êtes finaliste des championnats de France, hein, c'est le sommet. On aurait normalement dû être classé numéro 1 club de France, le seul club à avoir deux finalistes sur cette compétition majeure. C'est la somme des détails qui font la différence, donc nous on prend en considération l'ensemble des détails, c'est ce que je t'ai dit pour être champion de France, il fallait tout considérer. Nous voici dans le fief de la boxe anglaise, dans la salle où les athlètes s'entraînent, que ce soit le pôle France jeune ou les licencié du club Maxois. Appuie sur tes jambes. Bonjour, je m'appelle Lenny. J'ai 14 ans. Je suis en moins de 70 kg en cadet. Et je vais boxer de 29 au Gala France France-Irlande. C'est un beau sport. C'est dur, c'est difficile. Faut être rigoureux. Faut bien s'entraîner. La boxe, ça représente tout pour moi à peu près. Parce que j'avais rien et je suis venu à la boxe et je me suis fait des amis, de la famille et avant tout c'est ça la boxe, une grande famille. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous en avez marre des combats, des petits combats, là on a du haut niveau, du très haut niveau, on peut pas plus haut, on a la crème de la crème. État d'esprit déterminé, hein, on est là pour gagner, on n'est pas là pour perdre. Beaucoup de sparring, on s'attend à tout style de boxe et on se prépare physiquement beaucoup aussi. On organise depuis 4 ans un gala avec l'équipe de France Espoir. Donc là, ça sera contre l'Irlande cette fois-ci. Alors, j'ai déjà reçu l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Bon, là, les Irlandais, ils ont un très fort potentiel. Donc ça sera le 29 juin à la salle Henri Cochet et on fait un tarif unique de 10 euros. L'adversaire de Ibrahim Boukedine qui est au club de Saint-Max, je pense qu'il va rencontrer un finaliste des championnats du monde junior. Donc on aura à peu près 12 combats amateurs de bon niveau. Jusqu'à présent, les Français ont toujours gagné en contre international. C'est vrai que là, on était déjà à 109 licenciés, donc on s'attend encore à augmenter le nombre de licenciés. Donc on va vraiment devenir un club assez important au niveau départemental et régional. Et dans le Grand Est.
On s'est pas touché, allez. Donc venez au gala, nombreux le 29 juin, France-Irlande Junior. Et venez nombreux, moi j'y serai personnellement pour soutenir ceux de mon club et l'équipe de France Junior.